Bonjour à tous, bienvenue sur la base. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qu'on est en train de sortir qui va arriver en début janvier 2024. C'est ce nouveau campeur. Je vais vous montrer en détail comment ça se présente. Commençons à parler de chiffres. C'est deux produits en un. Un hardtop avec trois ouvrants, deux latéraux, un à l'arrière, et une tente qui fait 210 de long et 154 de large à l'intérieur. Sur la tente, on a également trois ouvrants, une entrée protégée. Quand on n'ouvre pas la tente, on peut avoir un auvent que je vous montrerai un petit peu plus tard. Deux autres chiffres importants. Zéro serrure accessible de l'extérieur. Tout est géré par la fermeture centralisée ou par la serrure de la ridelle. Et l'autre chose, c'est qu'on s'ouvre, on ouvre le produit et on le referme en moins d'une minute. Je vous montre ça. D'abord la partie hardtop. Fermeture gérée avec la ridelle. Trois ouvrants sur vérin. Tout se pilote par l'arrière. Pour offrir une accessibilité parfaite partout, même à l'avant du hardtop, qui permet d'avoir des possibilités d'aménagement assez illimitées. Dernière chose, c'est que sur tous les rails, on peut venir fixer des accessoires, mettre un petit peu ce qu'on veut, des lumières. Il y en a sur les portes, il y en a sur le bâti, il y a sur les renforts, les jambes de renfort qu'il y a partout. On peut venir y mettre tous les accessoires qu'on veut. Si moi j'ai mis une pelle, là j'ai un porte-outil. Ici j'ai aussi un porte-visseuse-dévisseuse, ça c'est pas mal pour les gens qui utilisent leur pick-up en utilitaire, mais on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. À l'intérieur, je sais pas si on voit bien, mais il y a mon support de gaz, et ça permet de mettre un petit peu tout ce qu'on veut sur ces rails. On a les accessoires, certains accessoires on les propose, puis après vous êtes maître de mettre tout ce que vous avez envie de monter sur votre véhicule. Je passe derrière la caméra et je vous emmène faire un petit tour du propriétaire. Donc là on est sur la partie hardtop. Il est à noter que c'est un prototype, c'est la première version celui-ci, donc tout n'est pas finalisé, il y a certaines finitions qui seront à améliorer, qui seront faites dès les premiers modèles. Je referme le hardtop et je vous montre un petit plus. Vous pouvez le voir, c'est hyper rapide. Là, je vous montre comment on actionne le haut-vent. On ouvre les deux verrous de la tente. Sort le auvent, on le déroule. Il y a deux rallonges qui vont servir pour la partie auvent. L'arceau est fixé ici par un velcro. On le défait. On met la première rallonge. On fixe un côté, c'est pareil du deuxième côté. Termine en faisant régler, et on referme un petit peu. Et là, je peux manger, bricoler, à l'abri du soleil, à l'abri de la pluie, à l'abri de la neige. On a quelque chose d'assez flexible. Si jamais vous voulez un petit peu plus, ils sont livrés avec deux haubans et deux jambes de force. Pas mal, là. Voilà un petit aménagement intérieur.
ensemble, ça entente. Donc là, il n'y a rien de plus simple. On enlève les rallonges du haut vent. Un côté puis l'autre. Et on couche. Ça y est, c'est prêt, on peut aller se coucher. Une toile avec une grande ouverture latérale, c'est une fenêtre, mais ça fait aussi office de porte. On peut rentrer par là sans problème, avec une moustiquaire. Ici, une grande fenêtre avec deux aérations tout en haut. Pareil, ici, on peut mettre une échelle si on a envie pour rentrer plus facilement. Et de l'autre côté, la même, avec des embrasses pour pouvoir fixer soit l'échelle, soit pardon, la moustiquaire, soit la porte. Une belle entrée protégée ou un auvent qui permet de continuer à travailler sur la ridelle, à faire à manger en étant protégé de la pluie. Ce produit, il est livré aujourd'hui avec une barlette Trans à l'avant. Vous l'avez vu, qui fait un halo orange de jour et qui fait longue portée et large spectre. Et également une barlette Trans à l'arrière qui permet de faire feu de recul, feu de marche arrière, feu de stop, feu de warning, feu de travail. Je vous montre l'intérieur de la tente. Je vous montre comment on monte. Ici, on a deux lits qui s'ouvrent, un à gauche, un à droite. Comme ça, on peut rester debout dedans. On peut ouvrir les ouvrants, avoir un petit peu plus de lumière, se changer à l'abri, cuisiner quand il fait froid ou quand il pleut, avoir une vie intérieure, quoi. Enlever mes chaussures pour passer sur le lit. Pour passer sur le lit, il suffit de baisser un des deux lits. Et de monter. Allez, on se la refait. Là, on est dedans, on n'a pas une opacité complète, mais là, on est en plein jour. C'est assez lumineux. Et au petit matin, on est content d'avoir quand même une toile plutôt opaque. Au plafond, on a un filet qui permet de fixer, de ranger ses affaires, son oreiller, etc. Et là, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on a les matelas, bien évidemment. On a deux duvets qui étaient sur ce lit-là. Et sur l'autre lit, on a encore un duvet, une couverture et ici un oreiller. On va ouvrir les ouvertures pour avoir un petit peu de lumière. Grande ouverture arrière. Bon, vue sur les canards. Première ouverture latérale. La première moustiquaire s'ouvre également. On a sur la porte, comme sur la moustiquaire, deux embrasses qui permettent de les rouler et de les fixer. Et pareil de l'autre côté. La porte et la moustiquaire.
Le tissu, c'est un tissu synthétique enduit, donc il est complètement étanche. Il n'est pas imperméable, c'est-à-dire qu'il ne résiste pas à une colonne d'eau, il est étanche. Vous pouvez mettre de l'eau dessus toute une nuit, le lendemain, il n'y aura pas d'eau qui sera passée à travers. C'est pour ça qu'on a mis ici deux aérations pour ventiler, et puis il faut toujours laisser, bien évidemment, un flux d'air constant, comme dans toutes les tentes, que ce soit un tissu coton, polycoton ou polyester, ça ne change rien. On va parler un petit peu du confort et des matelas. Les matelas, ce sont deux matelas autogonflants. C'est-à-dire que c'est des matelas en mousse à mémoire de forme qui font 8 cm d'épaisseur. Vous avez une trappe qui permet de laisser rentrer l'air et une trappe qui permet de le laisser sortir. Là, je vais fermer. Si. Je vais ouvrir l'entrée. Et vous entendez, il y a l'air qui se... il y a le matelas qui va se gonfler pour prendre ces 8 cm. Voilà, après 2 minutes à peu près, le matelas est gonflé. Donc on peut régler la fermeté, mais là on est sur de la mémoire de forme, 8 cm d'épaisseur. Et en dessous, on est sur deux sommiers à lattes. Niveau condensation sous matelas, il y a zéro, puisqu'on est sur des lattes. Et de toute façon, ces matelas étant étanches, ils ne laissent pas transparaître l'humidité. Donc on se retrouve toujours, même sur la partie tente, rigide sur les tentes, on n'a pas d'humidité sous le matelas. En termes de taille, donc je disais, on a un lit 210. Moi, je fais 1m75. Là, je suis au bout, comme si j'étais en position de couchage. Et voilà la place qui me reste au pied. Donc, bien évidemment, si on fait plus de 2 mètres ou si on fait 1m90, on risque d'avoir les pieds qui touchent un petit peu. Pour ça, on a une solution, on a une version rallongée qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est pas la vue. Salut, vous voulez commander ça? On pivote. On lève un lit. Et on descend. On va lever le deuxième lit. Et voilà. Là, on est quand même sur quelque chose de très aéré, très ouvert. On ferme en haut ou en bas, on a quand même beaucoup de ventilation, une jolie visibilité, et on peut profiter du bel endroit dans lequel on s'est arrêté. C'est l'heure de partir, on referme. Les moustiquaires, une porte. Deuxième moustiquaire, deuxième porte. Ouverture principale. On baisse les deux lits. Et on a fini pour l'intérieur. Ça, c'est la partie extérieure. On va le vendre à côté. Ça arrive de l'autre côté. On vient scratcher. On récupère les deux rallonges. Et on n'a plus qu'à venir rouler. Profite pour baisser la toile. Les plus grands pourront faire tout ce qu'ils veulent du bas. Moi, je vais monter. On repousse bien la toile à l'intérieur.
super de derrière. D'un côté, l'autre côté, le haut vent. On flippe. Et on est parti. Et voilà. C'est pas compliqué? Un dernier tour avant de partir? Dernier élément, aujourd'hui moi avec mon pick-up, je passe dans les parkings de 2 mètres parce que la tente rajoute 11 cm ici et 3 cm, 4 cm au niveau du toit. Ce qui fait que même avec une rehausse d'origine sur le Raptor, je suis en dessous des 2 mètres.